Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Tim de Space News. C'est aujourd'hui le dimanche 24 mars 2024. Il est 17h et j'ouvre la 12e visioconférence de la série des Galactiques 2024. Le thème de cette rencontre est la pyramide de Chichen Itza au Yucatan. La présentation d'aujourd'hui a un contenu personnel. Il vient de ma propre expérience du Yucatan et de sources extraterrestres, notamment de Zen par écrit et en audio. C'était le dimanche 20 mars 1983, il y a 4 décennies. Je me tenais devant l'imposante pyramide de El Castillo à Chichen Itza, au Yucatan, me demandant pourquoi mes contacts extraterrestres m'y avaient envoyé. Le souvenir de l'œuvre du romancier britannique D.H. Lawrence, Le serpent à plumes, traversa mes pensées. La pyramide était un temple dédié à Quetzalcoatl, symbole de connexion entre la terre et le ciel, et l'écrivain évoquait dans son ouvrage les rituels anciens et les sacrifices qui lui étaient dédiés. Rituel que Lawrence évoquait en ces termes. La flûte s'était tue. Seul le tambour vibrait à intervalles réguliers. L'un des hommes du cercle entonna l'hymne. Il chantait à la manière des vieux peaux-rouges, d'une voix contenue et intense, comme s'il s'adressait à son âme. On ne distinguait ni rythme ni émotion. C'était à peine de la musique, mais cela allait droit à cette âme éternelle où la grande famille humaine se rejoint et veut prendre contact. Le chanteur se tut, seul le tambour continua à vibrer dans la nuit. Chichen Itza, dans le Yucatan au Mexique, est l'un des sites archéologiques mayas les plus célèbres au monde. Pyramide à 9 degrés, elle est considérée comme l'une des 7 merveilles du monde. J'étais seule sur cette immense zone vide devant la pyramide. Quelques personnes commençaient à arriver, toutes habillées de blanc, les hommes surtout, avec une large ceinture rouge. Ils jouaient de la flûte et du tambour, parlaient entre eux joyeux, tous avec une retenue cérémonieuse. Je me demandais ce qu'il se passait. Une heure auparavant, j'avais gravi les 91 marches qui menaient au temple sacrificiel tout en haut de la pyramide et j'avais été surprise par mes découvertes. Depuis la plateforme, j'entendais les gens parler en contrebas comme s'ils me chuchotaient quelque chose à l'oreille. Et en regardant à travers une étroite ouverture dans la pierre, je pouvais voir un autre temple en parfait alignement des kilomètres plus loin. Sur la plateforme même, il y avait un autel et au moment où je m'en approchais, je commençais à visualiser des prêtres en robe blanche avec de larges ceintures rouges qui gravissaient les marches lentement, en portant des offrandes sur un plateau. C'étaient les cœurs encore palpitants, d'où jaillissait le sang de jeunes hommes et de jeunes femmes auxquels on les avait arrachés, encore vivants. J'avais répondu à un appel intérieur subit, comme ce fut à chaque fois le cas où mes contacts extraterrestres m'envoyaient sur un site spécifique pour prendre conscience, en personne, de la vie du lieu. Je ne connaissais rien de l'histoire maya ou toltèque et c'était la première fois où j'étais confrontée à l'idée de sacrifice humain. Devant l'imposante pyramide à 9 degrés, je pris conscience de l'exactitude et de l'importance de l'astronomie maya. Chacun des 4 côtés du temple comporte 91 marches et la plateforme supérieure constitue la 365e, comme les 365 jours du calendrier solaire. La foule commençait à s'agglomérer et tout le monde prenait place en cercle autour de la pyramide face à l'escalier nord,
Comme je n'avais aucune idée de ce qui se passait, je me suis assise avec eux. À un moment précis, en fin d'après-midi, alors que le soleil se couchait, les rayons frappèrent le sommet de la pyramide en diagonale et l'ombre des degrés, en tombant, prit la forme d'un serpent qui, avec la chaleur, commença à onduler et rejoignit une énorme tête de serpent en pierre à la base de l'escalier. Et c'était comme si un énorme serpent descendait du ciel en ondulant et entrait dans la terre. Je n'en avais pas conscience au moment où j'étais là, puisque je l'ai découvert par la suite, mais le jour où j'étais là, au moment précis de l'équinoxe et de ce phénomène qui n'arrive que 2 fois par an, à l'équinoxe du printemps et celle de l'automne. Lorsque le phénomène disparut, la place se vida et je restai seule, abasourdie par le spectacle auquel je venais d'assister, malgré moi. Lorsque brusquement, mon attention fut attirée par une porte ouverte juste derrière la tête du serpent en bas de l'escalier. Voilà, donc vous voyez cette ombre ondulante est en train de descendre et vous voyez qu'elle rejoint la tête du serpent tout en bas de l'escalier nord. Alors que j'étais seule et que tout le monde était parti brusquement, je remarque cette porte. Curieuse, je m'y suis rendue. Il y avait un escalier qui montait vers une lumière. Les marches étaient usées par des milliers de pas qui les avaient empruntées et les murs étaient recouverts de gouttes de buée, ce qui me donna l'impression de traverser un utérus. Je réalisais qu'en fin de compte, le serpent ne représente pas un reptile, mais c'est le symbole de la femme ou de l'ADN. Arrivé en haut de l'escalier à l'intérieur de la pyramide et en tournant à gauche, il y avait un autre temple avec un autel fermé par des barres métalliques. Au centre de la pièce, il y avait une statue du dieu appelée Tchakmol, qui veut dire grand jaguar rouge. La sculpture représente un homme couché, s'appuyant sur ses coudes, les jambes repliées et la tête tournée à 90 degrés sur le côté. Il tient un plateau sur le ventre et je me souvenais avoir vu cette image dans mon livre d'histoire à l'école. Là aussi, je me suis dit qu'il s'agissait d'un plateau où l'on apportait des sacrifices, mais c'était différent de celui de la plateforme tout en haut de la pyramide. J'avais plutôt l'impression que c'était des offrandes de fleurs et de fruits. À l'arrière de cette salle, il y avait un trône rouge sur lequel les rois mayas s'asseyaient pour assister au sacrifice à la gloire du dieu de la pluie. Je restais dans cette salle au cœur de la pyramide pour comprendre ce que je devais voir quand brusquement un homme de type maya est entré. J'étais cachée dans un recoin, je ne sais pas s'il m'a vue. Il portait un large sac qu'il laissa tomber par terre d'un seul coup et en avançant les mains, il commença à psalmodier dans un langage que je ne comprenais pas. Il était en transe, les yeux fermés, et se balançait d'avant en arrière. En le voyant, je me suis dit que ce culte et la vénération des populations locales étaient encore très vivantes, et je me dis qu'il allait m'arracher le cœur pour l'offrir à son Dieu. Je sortais sur la pointe des pieds et pris mes jambes à mon cou en sortant de la pyramide, avec l'impression d'avoir évité le pire. Cette pyramide, donc, grande, énorme pyramide, en cachait une autre, qui n'est pas ouverte tout le temps. Elle est ouverte seulement 2 fois par an, au moment des équinoxes. Une plus petite pyramide au cœur d'une plus grande. L'impression à l'intérieur de la petite pyramide était plus ouverte, plus fleurie que dans la grande pyramide où j'avais l'impression qu'il y avait effectivement à l'extérieur des sacrifices humains, mais pas à l'intérieur. Il est remarquable que cette structure d'ensemble ait été placée dans un alignement parfait avec le soleil couchant à chaque équinoxe pour créer, siècle après siècle, ce phénomène de serpent ondulant
descendant et rejoignant la tête qui est donc toujours en place, comme vous le voyez en bas de l'escalier. Et je me dis aussi que les populations mayas ou toltèques ne possédaient pas à cette époque le matériel suffisant pour construire un édifice avec une telle précision et des matériaux si durs qu'ils sont encore intacts à notre époque. Vous ne pouvez pas construire quelque chose d'aussi mégalithique, puis simplement attendre pour le faire tourner dans son ensemble, dans l'axe précis du soleil, pour faire naître cette ombre. Donc, ces populations avaient des connaissances astronomiques et mathématiques. Ils savaient que la Terre était une sphère, qu'elle tournait autour du Soleil, et qu'ils avaient les machines, les matériaux et les outils pour créer de telles structures, ce que ne possédaient pas les populations terriennes de cette époque. Comme vous le comprenez sans doute, les constructeurs n'étaient pas terriens. Ils étaient d'origine du système stellaire Maya, dans la constellation M45 du Taureau et la main des Pléiades. La construction de telles structures avait été calculée depuis l'espace et non pas depuis la Terre. Les concepteurs et les constructeurs savaient exactement comment édifier un tel bâtiment, mais depuis l'espace. Après avoir été construite par les Mayas, donc des extraterrestres lyriens et pléiadiens qui étaient arrivés sur Terre, et qu'ils avaient utilisé ces pyramides comme des réacteurs stellaires dont je vais parler dans quelques instants, l'ensemble de Chichen Itza fut envahi par les Toltecs Itza, marqué par des changements brutaux dus à l'arrivée d'étrangers sur le territoire maya. Leur chef est le dénommé Naxitxuxit. Il arbore le titre de serpent à plumes, Kukulkan, chez les Mayas du Yucatan. Et ils adaptèrent la pyramide déjà construite, ils l'ont conquise et ils l'ont utilisée. Ils sont décrits comme des étrangers porteurs de nouveaux cultes, sanglants, idolâtres, avec d'importants rituels de sacrifice humain. La péninsule du Yucatan, où se trouvent Chichen Itza et El Castillo, sont proches du triangle des Bermudes, où se trouvent d'autres pyramides sous l'eau. Correspond au territoire de l'Atlantide, qui était une civilisation planétaire et dont les territoires se situaient notamment dans les Appalaches aux USA, du Canada jusqu'au triangle des Bermudes et donc au nord de l'Amérique du Sud. De grandes villes atlantes s'étaient développées aussi plus au sud, comme Machu Picchu au Pérou, Tiahuanaco en Bolivie, et au bord du lac Titicaca et Tikal au Guatemala. Chichen Itza est donc une pyramide pléiadienne maya construite sur le territoire d'Atlantis. Comme un grand nombre de pyramides à travers le monde, c'était un réacteur du point zéro, à base de mercure cette fois, et non pas à base d'eau comme celle de Gizeh en Égypte, sous laquelle se situait la base souterraine de la Fédération Galactique. Bien qu'elles paraissent anciennes et délabrées, toutes les pyramides atlantes étaient équipées d'une technologie de pointe. Mais au fil des millénaires, elles ont été détruites ou d'autres civilisations après les atlantes s'y sont installées et ont modifié les constructions d'origine. Ce qui reste de ce passé, c'est-à-dire ce que l'on voit ici sur cette image en arrière-plan, sont les constructions les plus récentes. La plus ancienne est à l'intérieur. Les civilisations atlantes et lémuriennes disposaient d'une technologie avancée, toutes deux dotées de capacités aériennes et spatiales, et leurs pyramides étaient réparties sur toute la Terre. La fonction principale d'une pyramide, ce n'était pas le sacrifice humain au départ, c'était de fournir de l'énergie gratuite aux villes. C'était des réacteurs à l'énergie du point zéro. Les pyramides sont détériorées, mais lorsque vous prenez en compte leur emplacement géographique sur tout le globe, vous réaliserez sans doute une grille énergétique qui couvre toute la planète. La fonction principale de cette grille est de fournir de l'énergie électrique gratuite et sans fil
grâce à l'énergie du point zéro. Bien que leur fonction principale était aussi des centres d'expansion de la conscience en tant qu'amplificateurs d'énergie psychique, en particulier pour les chamans et les guérisseurs et des portails pour les sauts spatiaux. Les anciennes lignées reptiliennes utilisaient le serpent comme symbole, mais en vérité, ce serpent n'est pas celui des reptiles, c'est celui de la femme, en raison de la similitude avec la spirale d'ADN. C'est pourquoi il est utilisé dans le caducée d'Hermès comme symbole de la médecine. Mais il représente aussi un vaisseau spatial sortant du Soleil. C'est le cas de la symbolique du serpent à plumes qui représente un vaisseau en vol atmosphérique. Les pyramides atlantes de Mésoamérique utilisaient le mercure comme potentialisateur différentiel de charge en raison de sa grande conductivité électrique qui laisse les charges se déplacer et donc permet le passage d'un courant électrique. Les pyramides atlantéennes étaient équipées de structures avec des canaux où circulaient de grandes quantités de mercure liquide qui utilisait la polarité électrique entre ciel et terre. L'atmosphère, les nuages, ont une charge électrique et le sol en a une autre. Lorsqu'une polarité est surchargée, une étincelle est créée car l'électricité cherche la terre, créant ainsi un éclair. Une pyramide n'est rien d'autre qu'un système permettant de canaliser le différentiel de charge entre l'atmosphère et le sol de manière continue et contrôlée afin de fournir un courant utilisable pour les appareils électriques et la lumière en général. Le mercure a été importé à partir de raffineries hors planète. Elles se situaient, ces raffineries, probablement dans les constellations Draco et Orion, et depuis une infinité de planètes, car toute cette zone du cosmos est encore, de nos jours, occupée par une majorité de lignées reptiliennes. Ces raffineries étaient organisées nécessairement en une sorte d'industrie qui était à la base de toutes les constructions des vaisseaux et les ressources nécessaires, ainsi que des usines de production de pièces de vaisseaux spatiaux et de chantiers navals pour les produire. Puis le mercure a été amené sur Terre grâce à des portails stellaires. Le mercure est extrait depuis certaines planètes ou des astéroïdes, puis raffiné pour éliminer les impuretés et transformé pour produire une qualité électrique. Comme il s'agit d'un métal lourd, il peut être enrichi pour être utilisé dans des centrales nucléaires. En Atlantide, il y avait aussi des centrales nucléaires dans les temps anciens, qui fonctionnait à l'uranium. Le mercure enrichi est appelé mercure rouge, qui est utilisé pour les turbines de moteurs d'engins spatiaux. Les pyramides fonctionnent toutes sur le même principe et le même modèle mathématique de base. La principale différence réside dans la complexité opérationnelle et la technologie. Les réacteurs à point zéro à base de mercure peuvent être plus petits en ayant néanmoins les mêmes résultats que les pyramides réacteurs à eau. Ils prennent donc moins de place et utilisent moins de mercure et ils ne dépendent pas de l'environnement comme les réacteurs à eau qui ont besoin de points d'eau pour fonctionner comme celle de la base souterraine de Gizeh en Égypte. Le principal problème avec les pyramides à base de mercure est leur toxicité. Elles constituent un foyer toxique pour le sous-sol, pour la perméabilité du site et les aquifères qui les entourent. La partie maya de la pyramide de Chichen Itza est celle qui se trouve à l'intérieur. C'est la partie primitive qui a ensuite été transformée et recouverte d'une pyramide plus grande par les immigrants toltèques qui ont utilisé la région et l'infrastructure lorsque les mayas, le peuple pléiadien du système stellaire maya dans la constellation des Pléiades, s'est retiré. Selon les données officielles, des civilisations comme les Incas ont disparu du Machu Picchu du jour au lendemain, laissant toute la ville intacte. La raison en est qu'ils avaient des capacités interstellaires et donc des vaisseaux spatiaux,
qu'ils sont montés dans leurs vaisseaux spatiaux et qu'ils ont disparu comme ça d'un seul coup à cause de l'effondrement de la civilisation Atlante due aux guerres de Tiamat et de Mars contre la Fédération galactique. Question de Kylan. Toutes les pyramides actuelles sur le globe sont-elles en état de ruine ou peuvent-elles être à nouveau mises en activité? Pas du tout, elles ne fonctionnent plus du tout. Toutes les machines qui permettraient de les réactiver ont été sorties, donc elles ne fonctionnent plus. À moins évidemment que des équipages extraterrestres viennent ici sur Terre avec toutes les pièces détachées qu'il faudrait pour les relancer. À vrai dire, ça ne servirait à rien puisque l'énergie libre est disponible déjà sur Terre. On a maintenant des technologies et du matériel beaucoup plus efficaces. Mais on a encore besoin des pyramides pour maintenir l'orbite de la Terre en équilibre et stable. Et il faut dire aussi qu'il y a énormément de zones sur la Terre où les pyramides ne sont pas encore dégagées. En fait, ce qu'on voit, c'est une toute petite partie des pyramides qui étaient utilisées à cette époque-là. Question de Christine. Et tout ce mercure et a disparu également de cette pyramide. Ils ont vidé, ils ont tout vidé, tout est parti, ou le mercure est quelque part en sous-sol, ou je ne sais pas. Je ne sais pas combien de milliers d'années le mercure met pour disparaître et plus laisser de traces, mais je pense qu'il affecte toujours cette zone. Et ça n'est pas seulement que celle-ci, toutes les pyramides d'Atlantis étaient toutes faites à base de mercure, il n'y en a pas qu'une seule, il y en a beaucoup d'autres. Je pense que les zones sont toujours affectées à des degrés beaucoup moins grands, évidemment. Ça ne m'a pas été confirmé par mes contacts ni par Zen. Question de Franck. Ma question, c'était de savoir si le mercure rouge était vraiment rouge et si le sacrifice humain n'était pas là pour imiter justement cette substance que les terriens ne comprenaient pas et finalement apporter de l'énergie aux pyramides. Quand le mélange est fait, oui, il est rouge. Il n'est pas reconnu sur Terre, il ne fait pas partie de la table des éléments. Et je ne pense pas que ça soit que les sacrifices humains étaient faits pour rappeler la couleur du mercure. Question de Maria. Vous parliez d'équinoxe. Est-ce que c'est à ce moment que vous voyez cette forme de serpent et pourquoi aux équinoxes? C'était les deux équinoxes du printemps et d'automne. Ça apparaît à ces deux équinoxes. Et moi, sans le savoir, j'ai pris l'avion au bon moment pour arriver devant cette pyramide au moment précis où ça allait se produire. Donc j'ai trouvé que c'était quand même incroyable, d'ailleurs comme pas mal d'événements dans ma vie où je vais prendre un avion et je vais arriver juste au moment où quelque chose va se produire. Ceci dit, donc pourquoi c'est aux équinoxes? Parce que c'est une célébration du printemps et puis de l'hiver qui arrive. Voilà, c'est le printemps où la nature va permettre de se développer, puis va produire des fruits que l'on récolte à l'automne, et l'automne, c'est la célébration donc de la récolte. Au printemps, c'est lorsque l'on plante, et en automne, c'est lorsque l'on récolte. Donc il y avait ces deux célébrations. Question de Nadine. Je voulais savoir s'il y avait d'autres groupes stellaires qui étaient venus construire des pyramides sur Terre, et s'il y avait d'autres sources de conductivité, de l'eau, du mercure ou autre. Des groupes d'extraterrestres qui se sont regroupés pour aider. C'est l'une des caractéristiques des extraterrestres. Lorsqu'ils doivent construire quelque chose, un vaisseau spatial de la taille de la Lune, ils s'entraident. Donc les pyramides étaient aussi construites avec l'aide d'autres lignées extraterrestres, pas seulement les Arthuriens. Tout y mettent la patte en fait. Qu'ils utilisaient aussi l'uranium, comme on le fait à notre époque. Mais en fait, ça date de bien plus longtemps, parce qu'il y a déjà des millénaires de ça, des siècles de cela, les personnes qui habitaient ici sur Terre avaient déjà des armes nucléaires. Et une partie, par exemple, des guerres qui se sont produites sur Tiamat et sur Mars étaient non seulement plasmiques, mais aussi des armes nucléaires. Quand on y réfléchit, eh bien, il était impossible que des structures mégalithiques de la sorte avec de la pierre liquide où on peut à peine passer une feuille à cigarette soient construites selon
la définition darwinienne de personnes qui descendaient ou qui étaient cousins du singe. Je pense qu'il y a un tel décalage entre ce que moi j'appelle les proto-humains, c'est-à-dire les humains qui ont été ici implantés par des extraterrestres dès que la Terre a pu être habitée, qu'on appelle les humains archaïques, qui sont devenus par la suite les Néandertaliens, les Denisoviens, les prédécesseurs, et qui sont devenus d'un seul coup l'homme moderne. Il y a une séparation entre l'homme archaïque et cet homme moderne. Et cet homme moderne, qu'est-ce que c'était si ce n'est des extraterrestres? C'est-à-dire des personnes qui avaient déjà des connaissances bien plus développées que des terriens qui s'étaient développés selon Darwin à partir de la pierre, du feu, etc., qui s'est industrialisé. Et il y a une telle différence entre les homos archaïques et ceux que l'on appelle l'homme moderne et l'homo sapiens sapiens de nos jours, que on ne peut pas continuer à penser de la sorte en pensant, par exemple, que de telles constructions aient pu être faites par des hommes qui n'avaient en tout et pour tout que des morceaux de bois liés par des ficelles faites de roseaux, quoi, des choses qui étaient faites à la main. Ils n'avaient pas le matériel, les machines, les techniques, les connaissances pour construire de tels bâtiments. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est vraiment évident. Comme vous le comprenez peut-être, c'est que ces Galactiques 2024, je les fais pour remettre l'histoire sur ses vrais rails. C'est-à-dire, non pas une histoire que l'on a créée et qui enferme les terriens dans un certain mode de pensée, de compréhension, pour dire, vous voyez bien qu'il y a une grande différence. Ça n'est pas possible que des humains qui se servaient de morceaux de bois, de morceaux d'os, aient pu construire des bâtiments aussi mégalithiques de cette manière, aussi précisément alignés. Il fallait avoir des connaissances, non seulement des connaissances astronomiques, il fallait avoir volé dans l'espace pour le comprendre. Parce qu'il n'y a que quand on le voit du dessus, ce n'est que lorsqu'on a une compréhension spatiale interstellaire que l'on comprend la sphère qu'est la Terre et la manière de construire ces éléments. Ça n'a pas été fait par hasard et ça n'a pas été fait par calcul mathématique terrien. Question de Maria. Oui, si j'ai bien compris, les Incas et les Mayas sont partis assez subitement, sachant que il y avait Tiamat qui allait les inonder. Toute cette région était en train de tomber et c'était dû aux guerres entre Mars et Tiamat, puis les attaques contre la Fédération galactique. Ils ne savent pas exactement pourquoi d'un seul coup il n'y a plus personne. Mais la seule explication logique, c'est que comme ils étaient interstellaires, ils sont montés dans leur vaisseau, ils sont tous partis. Voilà, et d'un seul coup, ça a laissé tout cet endroit complètement vide, d'un seul coup. Question d'Irina. Je voudrais demander si vous pourriez nous dire un peu sur l'intuition que vous avez reçue pour faire ce voyage en Mexique. C'était dans quelle année et vous étiez où et comment s'est passé? Ça faisait 3 ans que j'étais aux USA après avoir été moine. Deux Américains qui avaient un grand centre de méditation qui accueillait 250 ou 350 yogis tous les jours pendant des années m'ont demandé si je pouvais venir chez eux pour enseigner en tant que professeur de méditation et qui enseigne les techniques du moine de forêt en particulier. Et donc, j'étais aux USA. Ça faisait 1 an que j'avais quitté ce centre. Et donc, j'avais un travail avec un scientifique. Et comme à chaque fois que mes extraterrestres m'ont envoyé sur des lieux où je devais aller, mais je ne comprenais pas au départ pourquoi, c'était comme un besoin intense, incontournable, un appel que je ne pouvais pas repousser. Il fallait absolument que j'y aille. Et j'étais dans ce mode-là, c'est-à-dire que dès que je recevais ce genre de signal, pour différents endroits, je ne vous ai pas encore parlé des autres, mais celui-là, c'en est un. C'était un peu comme lorsque j'avais 16 ans, j'étais dans ce monastère, et puis je regardais les alentours, et puis les jardins autour de cette abbaye, et brusquement, tout est devenu complètement silencieux. Il n'y avait plus d'oiseaux, il n'y avait plus rien.
Alors, je me disais, waouh, c'est tellement extraordinaire de pouvoir être ici seul, sans personne. Ça, c'est tellement formidable. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font tous ces gens-là? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de monde? Mais qu'est-ce qu'ils font? Et d'un seul coup, j'entends une voix dans ma tête qui me dit, mais qui es-tu? Et je n'ai pas pu répondre à cette question au moment où on me l'a posée. Cette question, qui suis-je, a été une question primordiale que j'ai toujours suivie. Donc, quand quelque chose avait un lien avec cette question, j'y allais. Et j'y suis allée, j'ai déménagé 34 fois, donc je suis allée dans de très nombreux pays, dans des endroits spécifiques, toujours comme ça, de but en blanc, sans aucune préparation. Je suis allée à l'aéroport, j'ai pris un ticket et je suis partie pour le Yucatan. Dès que je ressens le besoin impérieux d'aller dans un endroit, je sais immédiatement qu'il faut que j'y aille. Et donc, j'y suis allée. Bertrand? J'ai une question sur les pyramides. Là, vous avez dit donc que les pyramides étaient principalement là pour produire de l'énergie du point zéro, mais qu'elles étaient maintenant complètement dépassées et qu'on savait mieux faire sur Terre. Est-ce que vous aurez un exemple? Oui, ce sont des exemples extraterrestres. C'est-à-dire que l'énergie du point zéro existe déjà. Et puis évidemment, il y a plein de scientifiques, entre guillemets, alternatifs, qui développent des modèles de machines, de mini-réacteurs qui peuvent produire de l'énergie du point zéro. Question d'Irina. Je voudrais demander si le mercure qui a été utilisé pour ces pyramides, qui est de provenance hors planète, a un lien avec le mercure qui était utilisé et encore un peu utilisé pour les réparations dentaires. Parce qu'on sait maintenant que le mercure dans le corps humain est très, très toxique et il y a tous ces nouveaux docteurs, dentistes qui disent qu'il faut enlever les amalgames. Est-ce que le mercure dans les dents des gens a été mis comme un moyen de contrôle mental? C'est tout fait, tout planifié par les extraterrestres régressifs. J'ai lu quelque part que le mercure introduit dans les corps humains à travers les dents, c'est fait pour que les régressifs peuvent extraire de fragments de l'âme, soul scalping. Ils peuvent voler des fragments très petits de l'âme. Donc c'est une zone, les dents, la bouche, l'arrière, hein, du crâne, etc. Ce sont des zones extrêmement sensibles. Donc merci pour cette information, Irina. Il est 17h, il est presque 18h. Je vous remercie pour votre présence, votre écoute attentive, vos questions. Nous nous reverrons dimanche prochain à la même heure pour une autre visioconférence dans cette même série. Passez une bonne soirée, portez-vous bien.